Pour faire la fête, les nombreux supporters qui sont en train de rejoindre en ce moment le stade Roi Baudouin, le match des Diables Rouges contre le Pays de Galles est prévu à 21h. On attend 45 000 personnes. David Courrier, vous êtes sur place. La circulation est déjà très compliquée. Oui, la circulation est très compliquée ici, aux alentours de ce stade, et bien sûr dans les rues environnantes, beaucoup de bouchons, beaucoup de congestion. La STIB, qui a doublé ses rames depuis 17h, a même dû interrompre son trafic pendant une petite demi-heure, puisque des individus sont descendus sur la rame, donc sont descendus à pied, ce qui a provoqué l'interruption. C'était entre la station Beckent et la station Roi Baudouin. D'après nos informations, pour l'instant, le trafic, en tout cas le trafic de la STIB, le trafic du métro semble rétabli, Muriel. Alors David, on sait déjà que ce soir sera un soir de fête puisqu'on sait que les Diables Rouges sont qualifiés pour le Brésil. Donc quoi qu'il arrive, ils sont là, les supporters, pour voir du beau spectacle. Mais quoi qu'il arrive, ils seront contents. Quoi qu'il arrive, ils seront contents, évidemment, puisque vous l'avez dit, nous sommes qualifiés pour le Brésil. Mais Marc Wilmot tient tout de même à avoir ce qu'on appelle un bulletin sans faux. Donc il veut, comme tous les supporters d'ailleurs ici, un match impeccable. L'ambiance, bien sûr, je suis ici au village, hein, village de supporters au pied d'Atomium. L'ambiance est bien sûr extrêmement festive. On se croirait presque déjà à une demi-finale. On attend des artistes aussi. On attend un certain Stromae. Hein, c'est l'autre star belge du moment qui d'ailleurs fait un 3 pages aujourd'hui dans le New York Times. Les Diables Rouges, eux, ne sont pas encore dans le New York Times, mais vu l'ambiance qui règne ici, ça ne serait pas tardé. Merci à David. Et coup d'envoi du match à 21h. Et puis sachez que la STIB renforce son offre en métro. Il y en aura 2 fois plus qu'un soir habituel, et les supporters qui emprunteront donc la ligne 6 ne pourront pas descendre n'importe où. Ceux munis d'un ticket donnant accès au stade de couleur jaune pourront sortir à la station Uba Bruckmann. Pour la station Ezel, il faut être en possession d'un ticket vert, et les bleus et rouges donnent accès à la station Roi Baudouin.